Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la grotte de Massabielle. Nous fêtons ce matin Saint-Maximilien Kolb et notre chant d'entrée autour du trône de l'agneau. Autour du trône de l'agneau se tient la foule des sauvés. Ils sont venus des quatre vents, le sang du Christ les a lavés. Le sang du Christ les a lavés. Alléluia, 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 alléluia. Portant la palme des vainqueurs, ils sont marqués du sceau de Dieu. Après l'épreuve, après les pleurs, leur chant s'élève jusqu'à lui, leur chant s'élève jusqu'à lui. Alléluia, 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 alléluia. Ils voient leur Dieu et leur Sauveur, ils voient celui qu'ils ont cherché. Les bras de Dieu leur sont ouverts, ils rendent grâce de tout cœur, ils rendent grâce de tout cœur. Alléluia, 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 alléluia. Agneau de Dieu, louange à toi. Tu nous rachètes par ton sang, fais-nous marcher sur le chemin de tes martyrs et de tes saints, de tes martyrs et de tes saints. Alléluia, 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 alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec chers amis, en ce jour, nous célébrons la fête de Saint-Maximilien Kolb, ce prêtre qui donna sa vie pour en échange de la vie d'un homme, père de famille dans les camps de la mort. Il accepta de mourir, de donner sa vie par amour. Cet épisode dramatique, nous en faisons mémoire en ce jour. Il avait pour Notre-Dame un amour inlassable. Partout où il s'est répandu à travers le monde, au Japon ou en Pologne, dont il était originaire, afin de pouvoir témoigner de la miséricorde et de la tendresse de Notre-Dame. Au début de cette Eucharistie, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toute miséricorde, écoute nos prières en ce jour où nous célébrons Saint-Maximilien Kolb. Tu nous donnes
des preuves nouvelles et éternelles de ton amour à travers sa sainteté quand tu fais partager ta gloire au sein du ciel. Permets que le secours de leurs prières et la force de leur exemple nous aident à devenir semblables à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Cana. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, les jours où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de linge. Aucun regard de pitié pour toi. Personne pour te donner le moindre de ses soins. Par compassion, on t'a jeté en plein champ avec dégoût les jours de ta naissance. Je suis passé près de toi et je t'ai vu te battre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme, ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée. Mais tu étais complètement nu. Je suis passé près de toi et je t'ai vu. Tu avais atteint l'âge des amours. S'étendit sur toi les pans de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment. Je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu, et tu as été à moi. Je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de ton sang, je t'ai parfumé avec de l'huile, je t'ai revêtu d'habits chamarré et je t'ai chaussé des souliers en cuir fin. Je t'ai donné une ceinture de lin précieux et je t'ai couverte de soie. Je t'ai paré de joyeux, de bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et sur ta tête un diadème magnifique. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin précieux, de soie et d'étoffe chamarrée. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu, oracle du Seigneur. Mais tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostitué en usant de ta renommée. Tu as prodigué des faveurs à ton passant. Tu as été à n'importe qui. Cependant,
Moi, je me souviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse. Et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Ainsi, tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom, jouez pour le Seigneur. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Alléluia, 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 alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent : Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit : N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme et dit : À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent : Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ? Jésus leur répond : C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent : Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit :
Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Et un peu plus tôt, Jésus nous dit, tous ne comprennent pas cette parole. Alors, si vous n'avez rien compris, bienvenue au club. Nous ne serons pas seuls. Parce que les textes d'aujourd'hui, en fait, peuvent être lus de tellement de façons différentes. Et qui suis-je pour juger de la vie des gens et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur mariage et dans leur vie? Qui suis-je justement pour parler ainsi des femmes ou des hommes et des difficultés que tout un chacun nous rencontrons dans notre vie parce que notre vie affective et sexuelle, elle est au cœur de notre vie, de ce que l'on est. Et on ne peut pas en faire abstraction. Et il n'est pas bon d'en faire abstraction. On peut donc lire ces textes comme un code moral. Ça, c'est interdit, ça, c'est permis. Si vous allez ainsi, vous n'irez pas très loin. Parce que ce n'est certainement pas ce que demande l'Évangile et ce que nous proclamons dans l'Église depuis des siècles et des siècles. Que cela soit compris ou pas, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, nous, ce que nous proclamons, c'est d'abord non pas un corps de doctrine, d'obligation, de devoir ou de permission, mais celui que nous proclamons, c'est le visage du Christ, la personne du Christ. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer que le Christ. Et l'amour qu'il a pour nous. Nous pouvons lire cet évangile et la première lecture qui nous a été faite d'un point de vue moral. Mais voyez-vous, nous manquerions complètement le sens. Et je m'en explique. J'ai pas beaucoup d'expérience du mariage. Ça vous rassure. Ou ça devrait vous rassurer. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. D'une part parce que je suis le fils d'un papa et d'une maman, et je sais que ce n'est pas toujours facile. Et puis, j'ai 7 sœurs, donc je compatis parfois avec mes beaux-frères. Et puis, j'ai célébré quand même beaucoup de mariages comme curé. Et les fiancés venaient me trouver, venaient me voir et me disaient, « Vous savez, monsieur le curé, nous, on communiquera. Nous, on ne fera pas comme nos parents. On se parlera. » Parole. Plus ils me parlaient, plus ils me disaient ça, moi j'y croyais. Pourquoi ? Parce que il me semble que l'expérience de l'amour n'est pas d'abord l'expérience de notre force, mais d'abord l'expérience de notre faiblesse. Je m'explique. Plus ils essayaient de me montrer que eux seraient forts pour pouvoir rester ensemble toute leur vie, plus il me semblait au contraire que le défi
lorsque l'on s'aime, c'est en fait de reconnaître qu'on a besoin l'un de l'autre et que l'on ne peut être heureux qu'ensemble. Au lieu de vouloir dire que l'on peut s'en sortir par nous-mêmes, c'est au contraire cette expérience de comprendre que l'on a besoin d'un autre pour pouvoir être heureux et que notre bonheur passe par un autre. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, accepter que mon bonheur dépende de quelqu'un d'autre, que je ne maîtrise pas, c'est difficile. L'enjeu, du coup, il n'est pas d'être suffisamment fort pour pouvoir rester mariés ensemble toute une vie. Il est d'abord de reconnaître que l'on a besoin d'un autre pour être heureux. Il est donc d'accepter sa propre faiblesse et de comprendre que cette faiblesse jamais ne sera comblée totalement et que Dieu creuse en nous justement cette disponibilité. Écoutez, n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce n'est pas vous qu'il avait choisi, mais c'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous a donné cette faiblesse et ce besoin d'être aimé et ce désir d'être aimé. La puissance et la force de l'amour, c'est ça qui bouleversera nos vies, c'est ça qui bouleversera nos frontières. La force et la joie de l'amour de quelqu'un qui se donne, d'une mère qui se lève pendant la nuit pour aller veiller son enfant, d'un homme qui est emprisonné dans les camps de la mort, qu'il voit que les officiers allemands choisissent des victimes en représailles et dit: laissez-moi prendre la place de cet homme, parce que lui est père de famille et que moi je ne suis rien qu'un prêtre. Je n'ai rien à donner que ma vie. Saint Maximilien Kolb est allé jusqu'à ce don parce qu'il avait compris la force et la puissance de l'amour. Saint Augustin disait bien: aime et fais ce que tu veux. Non pas qu'il y ait là licence de faire ce que l'on veut, mais tout simplement parce qu'il avait compris qu'effectivement aimer, et aimer en vérité, cela devient une exigence, un devoir et une force. Aime en vérité et accepte-toi de te laisser aimer aussi en vérité avec tes fragilités, parce que c'est ça qui te rend accessible, parce que c'est ça qui te rend vulnérable. Les enfants voudraient que les parents soient parfaits. Ils trouvent que vous êtes nuls avec votre ordinateur et tous les réseaux sociaux. Mais finalement, ce sont ces fragilités-là qu'ils aiment en vous. Dilice et quod vis fac, disait saint Augustin en latin. Aime et fais ce que tu veux, parce que l'amour
est au cœur de notre vie. Parce que l'amour est un appel et une exigence. Tu viens ces jours-ci à Lourdes. Tu viens ici devant la grotte et devant Notre-Dame, notre mère. Alors prends maintenant l'engagement et la résolution d'aimer en vérité, de ne pas avoir peur des difficultés et des peines. Laisse-toi regarder par ta mère. Laisse-toi toucher et aimer. Ce lieu est un lieu de guérison et de grâce. N'hésitez pas à lui demander ce dont vous avez besoin, parce qu'elle vous aime. Offre-toi, donne-toi, livre-toi à la puissance de l'amour. Parce que tout ce qui est gardé est perdu, et seul ce qui est donné demeure. Livre-toi et aime. Notre foi n'est pas un code moral. Il est le grand livre de notre humanité, pour que chacun d'entre nous nous y mettions au cœur même l'amour. Amen. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. N'oubliez pas que votre geste d'offrande reste nécessaire à la vie du sanctuaire, alors soyez-en vivement remerciés. Lourdes ne peut pas vivre sans vous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Saint Maximilien Kolbe la force de souffrir pour toi jusqu'au bout, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de Saint Maximilien Kolbe. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. Car c'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse. Quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur,
Celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine et Nicolas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Maximilien Kolbe, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit au fruit de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, Jésus, qui avait aimé les siens, les aima jusqu'à l'extrême. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi donnons notre vie pour nos frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Dans la mesure où nous nous aimons les uns les autres, c'est Jésus-Christ que nous aimons réellement. Il n'y a pas de plus grand sa vie pour ce qu'on aime. Que tous nos actes soient empreints de charité, car nous serons jugés par Dieu sur notre amour. Il n'y a pas de plus grand amour sa vie pour ce qu'on aime. Qui n'aime pas son propre frère qu'il peut voir ne peut prétendre aimer son Dieu qu'il ne voit pas. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et notre joie sera parfaite au dernier jour en contemplant le Dieu d'amour qui vit en nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permit à Saint Maximilien Kolbe, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux au-delà de la souffrance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et je vous rappelle les horaires du sanctuaire. À 17h, nous avons donc l'adoration du Saint-Sacrement. Nous aurons à 15h30 également le chapelet, ici en français. En espagnol, c'est à las 12h30, en anglais à 15h, that's 3 p.m., etc. Merci à tous. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous.